greater. Alors, salut la team. La webcam, je sais pas si. La webcam a décidé de se déconnecter. J'ai jamais vu ça. Non, mais me dis pas que la webcam est désactivée là. Quoi ce bordel? Oh là là. Le stream, ça commence bien. Ça m'a jamais fait ça auparavant. Oh. Qui veut même pas marcher en plus. Ça, c'est génial, ça. Une webcam en moins. Ne veut pas fonctionner. C'est-à-dire que même ici, elle fonctionne pas. C'est quoi ce bordel? Et pourtant, elle est activée. Hein. Ah, super. Ça fonctionne pas du tout, mais c'est quoi ce bordel? Allez, ça va marcher. On espère que ça va marcher. Yo, salut Super Lego Ninjago. J'ai un problème avec la webcam, je suis en train de régler le problème. Ah voilà. Purée. Ah, c'est bon. Donc normalement, on a la webcam. Yo, du coup, c'est mon problème réglé. Du coup, nouveau stream ce soir qui va pas durer super longtemps, sûrement jusqu'à 22h30, maximum 23h. Aujourd'hui, on continue le let's play sur Horizon Zero Dawn. Et on va tout simplement faire la mission Les Entrailles de la montagne. Donc c'était suite à l'éclosion où c'est en fait devenu le bordel. Elle a perdu vraiment beaucoup de choses, le personnage principal qu'on suit. Et donc là on suit le réveil de son coma et elle est en fait à l'intérieur du montagne. Laquelle je sais pas du tout, elle est dans, en tout cas c'est pour ça qu'il y a le titre Les Entrailles de la montagne. On va être bloqué je pense dedans pendant un petit moment et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez. On a fait un short stream tout à l'heure, donc si vous voulez voir certains passages en rediffusion, vous pouvez aller voir ça sur YouTube. Il y a un nouveau short vidéo qui est disponible sur Insta, sur Twitch et sur YouTube. Donc n'hésitez pas également à aller les voir. Et si vous êtes nouveau, foncez sur YouTube parce qu'il manque plus que 4 abonnés et on passe les 3000 abonnés. Voilà, je compte sur vous.
Et du coup, je remettrai le compteur derrière, visuellement, pour fêter tout ça. Je ferai peut-être même un petit concours spécial pour les 3000 abonnés. Voilà. Sur ça, du coup, c'est parti. On se tourne directement vers le jeu. Continuer, c'est parti. Là, c'est sûrement beaucoup de dialogue, beaucoup d'exploration. Je pense pas qu'il y aura de l'action parce que l'action, on en a bouffé de fou la dernière fois. Donc là, c'est un peu plus calme. Les bonhommes contenant de la flambée sont hautement volatiles. Le canne de virage pousse un peu partout, mais vous en trouverez beaucoup près des cours d'eau. Les pierres se trouvent généralement au bord des routes et des rivières. Utilisez votre focus pour scanner les composants des machines, ceci vulnérables à certains types de dégâts. Ouais, du coup, le temps que ça patiente, hein, je sais que c'est un peu long à charger, débloquer les compétences, sa matrice d'éclat pour décomposer les ressources et les modifications en éclats de métal équivalent à la moitié de leur valeur, ce qui libérera de la place, et j'ai pas pu lire la fin. Le mode de difficulté, histoire facilite les combats, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'exploration et le scénario. Donc voilà. Ouais. En fait, t'as plusieurs niveaux de difficulté adaptés aux joueurs qui préfèrent telle ou telle façon de jouer au jeu, tu vois. Et les tryharders qui font ça à fond en difficulté, et t'as ceux qui préfèrent jouer tranquillement et découvrir l'histoire. Rive. Ah, j'arrive, ok, j'arrive, je vais chercher à manger. Ok, pas de soucis. Comme ça, tu vas te poser tranquillement sur l'histoire du jeu. Rost m'a sauvé. Il est Ils ont mort. dû me trouver avant que je me vide de mon sang. Mais pourquoi y a personne d'autre? Où est-ce que je suis? Ouais, donc on s'était réveillé ici. Les entrailles de la montagne. Et Rust bah, l'a sauvé, mais je crois qu'il est mort. Déjà, il s'est pris une dague et après, il s'est pris une explosion. Je suis pas sûr qu'il a survécu à ça. Gauche ou droite? Mes vêtements. Ouf. Mais où est mon focus? Ah, voilà, ok. Mais. Je serai dans la montagne sacrée? Mais. Seuls les matriarches peuvent y entrer. Ah ouais, donc. Je vois pas mon arc, ni le focus endommagé. Celui que j'ai pris à ce tueur, où est-ce qu'ils sont? Et c'est beaucoup de résolution, je pense, d'énigmes pour peut-être sortir d'ici, je sais pas. Mais Il faut que je continue à chercher. Ok, donc ça c'est la montagne sacrée, en fait, où il n'y a que les grandes matriarches qui peuvent rentrer dedans. Donc ouais, c'est vrai que c'est bizarre que. Et à mon avis, elle a quelque chose de spécial. Ah, c'est pas ici que je vais le trouver. Oh, attends, faudrait que je me souvienne juste. Comment je peux activer
porte de bunker. Portant 6 explosions, blindée. Ça sert à rien de rester là. Serrure garantie. Ah, je pouvais quand même ouvrir la porte, ok. Par contre, il y a des hommes qui m'intriguent. Ok, ça c'était une impasse. Il n'y avait rien d'intéressant ici. Non. Et ici c'était quoi? On aura sûrement des trucs pour des rituels. Il y a des sons chelous. Comme ça. Ça ressemble aux ruines dans lesquelles j'étais tombée quand j'étais petite. C'est un vrai labyrinthe, surtout. Ce ne sont pas les Noras qui ont... Là, avec toutes mes affaires. Forêt qui a tué Rust. Et lui, normalement, on l'a buté. Ah non, on l'a pas buté. Il s'est barré. Qui te dit que je suis comme les autres? Ils ont réussi à me voir dans le focus d'Olin. Comment c'est possible? Faites vite alors, je dois entrer. Attention, identiscan. Il faut que tu arrêtes d'écouter Ted et que tu commences à m'écouter moi. Mais d'où est-ce que ça vient? Et de quand? Salut tes besties, The Bestie. Ça va super et toi? Est-ce que tu es ma mère? Mais pourquoi essayer de me tuer juste parce que je te ressemble? Alors, tu es réveillée? Tu m'as amenée ici? Dépêche-toi, il faut que tu me suives. Mais où ça? À l'endroit où tu es venue au monde. Ah, on va avoir un peu plus de réponses sur son passé. Tu veux dire que je suis née ici? Au cœur de la montagne? Je préfère que tu vois toi-même. Ok, attends, je vais voir ce qu'il y a là-bas. Ça m'intrigue. Attends, ça m'intrigue. Il y a quoi là-bas? Il y a un truc secret là. Ah ah. Batterie. À quoi elle peut servir? J'ai trouvé l'armurerie antique. Pourquoi on m'a amené ici? Il y a un truc là-bas, c'est quoi? Méga Liège, Antitaine, Virouge,
Génétique. C'est un peu chelou tout ça. Hein. Ma mère est ici. Je vais la rencontrer. Ah, j'ai perdu. La grande matriarche est partie, je sais pas où. Ça doit être immense. C'est un peu compliqué. Suis-moi, s'il te plaît. Est-ce que ma mère me ressemble, mais avec des cheveux courts? Disons que c'est peu probable. Ce n'est pas une femme qui t'a mise au monde. Tu es née de la montagne. Je... Née de la montagne? Mais... qu'est-ce que tu racontes? Viens. Elle serait née par création génétique. Quel est cet endroit? La chambre sacrée, où la toute mère a vaincu le démon de métal et t'a donné naissance. À l'œil, le massacre de l'éclosion n'était que le premier d'une série de désastres. Les guerriers que nous avons envoyés traquer les tueurs ont été piégés et décimés. Mais quel lien avec l'endroit où je suis venue au monde? Eh bien, en fait, j'espère qu'il y en a un. C'est ici que nous t'avons découverte. Nous avons entendu tes appels. Nous sommes venus, et tu étais là. J'étais juste posée là? C'est ça. Alors ça veut dire que je viens de derrière la porte? Effectivement, c'est ce que je pense depuis le premier jour. Que tu nous viens des entrailles de la montagne. Un cadeau, offert par la toute-mère en personne. Mais il y avait les autres. Lansra, par exemple, qui avait peur qu'une force obscure t'ait envoyé là. Pas un cadeau, une malédiction. Mmh. Mais... ce n'est pas une déesse. Aloy! C'est une porte. Il doit y avoir des gens derrière. Ma mère? Oh, oh. Ah, la porte a réagi. Attention, identiscan. La déesse, elle parle. C'est comme cette femme que j'ai vue. Erreur. Registre alpha corrompu. Confirmation de l'identité impossible. Non, non, non. Accès refusé. Non, non. Tu n'as pas dû bien entendre. Elle ne m'a pas reconnue. À cause de la corruption, ce sont les mots de la déesse. J'en suis sûr. Si tu dissous cette corruption, elle te verra distinctement. Et comment je dois m'y prendre? Tu m'as parlé de vision. D'une femme aux cheveux courts. Oui. Les tueurs sont venus pour moi. Parce que je lui ressemble. Ces gens sont trop puissants pour toi. Tu n'as vraiment pas d'autre solution. Pauline. C'était l'un des visiteurs, juste avant l'éclosion. C'est par ses yeux que les tueurs m'ont vu. Il vit à Méridian. Tu vas donc devoir quitter les terres sacrées.
J'ai été une paria toute ma vie. Je peux être une exilée. Non. Il y a un autre moyen. Viens, on va arranger ça. Elle est cool. Moi, je l'adore. Elle est trop gentille. Tu as dit que la tribu risquait de disparaître. Explique-moi. Après le massacre de l'éclosion, nous avons envoyé une grande escouade à la poursuite des tueurs. Moins de la moitié est revenue. Donc, je pense qu'on va devoir trouver sa mère. Parce que la personne qu'on a vue a l'air de ressembler à sa mère. En toute logique. Comment ont-ils été vaincus ? Les tueurs ne combattent pas seuls. Ils sont capables d'influencer les machines. Ils les corrompent, les rendent folles. Alors ils se sont échappés ? Oui. Et la seule chose sur laquelle mes sœurs matriarches ont réussi à se mettre d'accord, c'est de chanter l'hymne de rédemption et d'implorer l'aide de la Toute-Mère. Comme si elles ne voulaient pas qu'on prenne les choses en main. Et donc, quel est ton plan ? Ça. C'était ça, mon plan. Te montrer l'endroit où tu étais né et te laisser suivre le chemin que la Toute-Mère te destinait. Comment tu vas, mon petit killer ? Les autres hautes matriarches nous attendent. Laisse-moi leur parler. Alors ça y est ? Oui. Je lui ai montré. Mes sœurs, la déesse s'est adressée à Aloy. Elle lui a dit de dissoudre la corruption. Mais comment doit-elle s'y prendre ? Elle va devoir s'aventurer au-delà de nos terres sacrées. Une chercheuse ? Si c'est le vœu de la déesse qu'il en soit ainsi. Vous voulez faire de cette chose une chercheuse ? Ma sœur. Pour une fois, Lansra, rallie-toi à nous. Elle, j'aime pas. Ce péché. On se demande pourquoi. Faites la chercheuse et puisse-t-elle ne jamais remettre les pieds ici. Elle croit que c'est une malédiction. Et pas une bénédiction. Aloy, par la grâce sacrée de l'unique déesse, nous te consacrons aujourd'hui, chercheuse de la tribu Nora. Aucune barrière ne t'empêchera désormais d'accomplir ta mission. Que la Toute-Mère te protège et te sustente. Sois résolue. Je vais aller me préparer pour les... Faire l'exploration d'un monde nouveau. Tous nos espoirs reposent sur toi. Tire ça. Qu'est-ce qu'une chercheuse ? Tu en es une. Et ceci est ta marque. Dans les cas désespérés, les hautes matriarches peuvent nommer un chercheur. Un valeureux brave envoyé accomplir une mission sacrée. Cet émissaire peut se rendre n'importe où sans contrainte. Même au-delà des frontières des terres sacrées ? Oui. Et une fois sa mission achevée, il peut rentrer. Ou plutôt, s'il le faut. Alors, je peux vraiment aller partout ? Sans restriction ? Y compris dans les lieux interdits, comme les terres souillées loin de la Toute-Mère, ou dans les ruines de l'âge de métal. Je vois. Donc on a vraiment un vaste champ de d'exploration qu'on va avoir. Lurk, c'est Joufreuse, ok, ça marche pour le Lurk. Les terres souillées. Pourquoi les terres hors du territoire Nora sont-elles souillées ? N'est-ce pas évident ? Nos terres sont sacrées. Nous vivons sous les yeux de la déesse, la Toute-Mère, source de toute vie. Les terres qu'elle ne peut voir sont impures et viciées, souillées par l'esprit. C'est pour cela que nos lois nous confinent ici. Mais tu as la bénédiction des chercheurs. D'accord.
L'âge de métal. Pourquoi les ruines de l'âge de métal sont-elles interdites? Ce sont des lieux malades, Aloy. Funestes et maudits. Comme les enfants du métal, leur créateur. Quand ils se sont rebellés et ont tenté de la tuer, sa colère a peut-être détruit leur ville, mais n'a pu purifier leurs péchés. Leur malveillance continue de hanter les ruines, prête à prendre au piège les imprudents qui s'y oseraient. Mais je suis entrée dans une ruine. Ça ressemblait à l'intérieur de la Toute-Mer. Ça n'est pas possible. Ça l'est. Eh bien, voilà quelque chose qui dépasse mon entendement. Je compte sur toi pour révéler la vérité. T'inquiète pas pour ça. Il y a eu d'autres chercheurs ? Oui, mais très rarement. Et la plupart d'entre eux ne sont jamais revenus. Est-ce que Post en était un ? Non. Pas un chercheur. Mais qu'est-ce que tu me caches ? Ce n'est pas le moment, Aloy. Peut-être un autre jour. Ouais, il y a un truc autour de Rost, hein. C'est sûr. Qu'a-t-on fait ? Du corps de Rost ? Malheureusement, ils ont trouvé il n'en restait plus grand-chose. Ah. Mais ses restes ont été ensevelis à l'endroit où il t'a élevé. Ah ouais, donc il est bien mort, et quoi. Sa tombe a été fleurie. Mais pas mort tranquillement, Ah ouais, il est mort déchiqueté, quoi. Naise. C'est violent. Tant de gens ont souffert. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Le plus important, c'est que tu accomplisses le destin que la Toute-Mère a décidé pour toi. Mais je ne sais pas ce que c'est, et tu ne le sais pas non plus. À toi de le découvrir. Si, toutefois, tu as le sentiment qu'aider la tribu fait partie de ta mission, alors fais-le donc. Je suis certaine que tu trouveras des gens à aider en parcourant l'étreinte. Ok. Et les tueurs ? Vous avez dit que vous avez envoyé des guerriers pour suivre les tueurs. Oui. Mais ils se sont fait piéger et déborder. Très peu en sont sortis vivants. On aura sûrement qu'on les délivre. Et la plupart ont été blessés. On sait où sont les tueurs ? Non. Mais tu peux demander à Varl, un des gardes en faction près des portes de l'étreinte. Il a survécu à l'embuscade. Il sait des choses. D'accord, ok. Bah, c'est parti. Je crois qu'il est temps. D'ici, commence par rejoindre les portes de l'étreinte. Parle à Varl. Il t'indiquera le chemin de Méridion. Si des Nora tentent de t'importuner, Aloy, fais-leur savoir que tu es une chercheuse. Ah oui. Merci, Tirsa. Merci pour tout. Que la Toute-Mère te bénisse et te protège. Fidèle Nora, nous allons commencer. Purifiez votre cœur. Bientôt, nous implorerons le pardon pour les péchés qui... Ouais, ils sont tous en train de prier. Ah, parce que même les jeunes, ils sont morts. Même le garçon qui est méchant avec nous au tout début, là. Ça a l'air d'être énorme en fait, la machine qui est au-dessus là. Je sais pas si on la verra un jour. Déesse, aie pitié de nous. Et ça m'étonnerait pas qu'un jour elle soit vivante, cette machine qu'on voit au-dessus là. Ni leurs incantations disparaître en silence. Maîtresses vont être trempées. Elle a sauvé beaucoup de vies. La tribu lui doit beaucoup. La frontière est fermée, mais elle n'arrêtera pas la corruption. Ça, je peux te le garantir. On va bien se réveiller. On sait jamais, ça peut servir. 1, 2, 3, on va bien se looter, on va dire. Parce que je pense que je vais en avoir besoin. J'ai pas compris Super Lego Ninjago.
Ah là, je vais avoir de quoi faire des flèches. Je garde ça pour la route. Le roi est arrivé. Ah, tu parles de Joe Frost. Il a du taf aujourd'hui. Non, quoique non, on est dimanche. Non, il allait voir Vice Versa 2. Il allait voir un film au cinéma. J'avais entendu les rumeurs, mais je n'y croyais pas vraiment avant de t'avoir vu de mes yeux. Ah, je suis content que tu ailles bien. Et ouais, je suis encore en vie. Tu peux me parler de ces rumeurs ? Que tu étais blessé et sur le point de mourir. Et puis, la haute matriarche Tirsa a convaincu les autres de t'amener à l'intérieur de la toute mère. Ça a fait du bruit. Seuls les matriarches ont le droit d'entrer dans la montagne. Mais... tu méritais cet honneur. Les survivants ont raconté à tout le monde comment toi, seul, tu les avais sauvés. Je n'étais pas la seule à me battre. Ah donc il y a bien eu des survivants. Ils ont mentionné Bast et Vala aussi. Et Rost, l'homme qui m'a élevé. Il a combattu pour moi. Et en est mort. Les survivants n'en ont pas parlé. Mais je me souviens de lui. Il était là le jour où tu m'as sauvé. Je me rappelle qu'il s'est mis devant toi quand mon père s'est mis à hurler. Si sa mort t'a sauvé la vie à l'œil, je suis sûr qu'il en est heureux. Je dois franchir les portes. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est dangereux hors de nos terres ? Je sais, je n'ai pas le choix. Va demander à Resh alors, en haut du mur. C'est le nouveau chef de guerre. Mais je suis pas sûr qu'il t'aide. Il y a encore du danger dans l'étreinte ? Les tueurs sont toujours là ? Non. Plus maintenant. Les guerriers les ont chassés, mais... les tueurs les ont massacrés. Tu comprends ? Ils sont capables de manipuler les machines, ils les corrompent et les font se battre à leur côté. Quoi ? Et c'est... machine corrompue. C'est possible de faire ça ? Certains ont réussi à entrer. Si je peux contrôler les machines, ce serait trop bien. C'est encore pire, en dehors des limites de l'étreinte. N'y va pas, c'est vraiment beaucoup trop dangereux. Pourquoi Resh ne m'aiderait pas ? Eh ben, il dit... des horreurs sur toi.
Que je suis une malédiction, une paria, ce genre de choses? Oui. Je ne l'aurais pas choisi pour chef de guerre, mais Sona a disparu dans l'embuscade. Il paraît qu'elle s'est lancée toute seule à la poursuite des tueurs. C'est qui, Sona? C'était notre chef de guerre. Mais elle n'est jamais revenue. Ah, l'ancienne... Du coup, elle a été remplacée. Tu l'as sûrement vue au cœur de la mer. Une femme grande, mince, la peau sombre et de longs cheveux blancs. Sa fille participait à l'éclosion, mais... Ah, peut-être sa fille, ça me dit quelque chose, ouais. Ouais, c'était morte. Vala, sa fille. Ouais, c'est ça. Je l'aimais bien. Moi aussi. Bah ouais, elle était trop cool. J'avais complètement zappé qu'il y avait des personnages qu'on avait connus. Assez rapidement. Avant de dormir le soir, en fait, avant l'éclosion, quoi. Qu'est-ce que tu fais là avec un arc et une lance, Teb? Tu es tailleur, pas guerrier. La plupart de nos braves sont morts ou blessés à l'œil. Quelqu'un doit défendre le guet de la mer. Je me suis proposé. Je ne risque rien tant que je ne m'aventure pas sur les sentiers des braves, pas vrai? Il faut que j'y aille, Teb. Sois forte, Aloy. Bon, t'inquiète, ça va le faire. On ne sait toujours pas qui envoyait ces assassins, ni d'où ils venaient. Salut les boys. Je dois franchir les portes. Oh non, c'est lui, et pourquoi lui je le déteste. Une paria me donner des ordres. Depuis que j'ai été nommée chercheuse. Et tiens, dans ta figure. Toi, une chercheuse? Tirsa et Jeza sont devenues folles. Déjà qu'elles te laissent participer à l'éclosion. Mais te soigner à l'intérieur de la montagne sacrée? Pas étonnant que l'horreur nous poursuive et que nos enfants pourrissent dans des tombeaux de pierre. Tu n'es personne. Tu insultes les morts. Fais attention à ce que tu dis. J'ai envie d'être... Si tu penses que Tirsa et Jeza sont des traîtres, pourquoi tu vas pas leur dire en face? Ou est-ce que tu sais seulement critiquer dans le dos des gens? Je suis le chef de guerre, Nora. Et je suis une chercheuse, alors fais ce que je dis et ouvre les portes. Voilà. Dégage donc de nos terres, je préfère. C'est bien. Bon toutou. C'était quoi? Non. Me dis pas qu'on est en train de se faire attaquer, non? Elles sont contrôlées. Ça doit être massif là-bas. Mais c'est quoi ce truc? Sonnez l'alerte! Wesh! Par la déesse! Mais qu'est-ce qu'il est en train de leur faire? Wesh, ils sont cons, plus ils comme ont ça! Plus de contrôle. Bon, c'est la cata. Ça ne sera pas long. Je dois me mettre en position. Me voilà. À l'attaque! Attention aux galopeurs! Ils sont devenus fous! Frère.
vache. Il va me lâcher. Comment je fabrique des flèches déjà? Il a pas pris mon piège. Ok, inventaire, compétences. Déjà on peut se rajouter des compétences vite fait. Ok, je peux plus. Inventaire, armes. Lance. Munitions, voilà, c'est ça. Pierre. Objets spéciaux, artisanat, ça me permet de quoi modifier capacité du sac, ouais, munitions, lance-câble. Voilà, c'est bon, on a fait le plein. C'est une galère. Contrôle l'esprit des autres machines. Quel est son secret? Brûlant de métal. Mais comment je peux récupérer ça? Comment tu as fait? Montre-moi. Tu les as forcés à t'obéir. Mais comment? Voilà. Tu t'es servi de ça. Mais ça se connecte à mon focus. Je peux l'utiliser? Ça vaut le coup d'essayer. Ah donc je pourrais l'utiliser juste... à mon avantage. Voilà, ça devrait tenir. Faut juste faire un test. Aloy, comment tu as fait ça? Tu as tué ce démon? Et arraché ses entrailles? Sa capacité à contrôler les machines. Je crois que j'ai compris. Mais il faut le tester sur une machine. Il y a des galopeurs près du chemin qui mènent aux portes de l'étreinte, je crois. Parfait.
En plus, c'est justement aux portes que je me rends. Il faut que je parle à Varl. J'ai toujours su que tu étais différente à l'œil, mais... Mais... Quoi? Pas à ce point-là. Je pense que tu es un don de la Toute-Mère. Raish peut dire ce qu'il veut. Merci, Teb. Bon, faut que j'y aille. Oui, je sais. Et je te souhaite bonne chance. Les entrailles de la montagne. Je veux que cette force soit réparée sur le champ. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais faites-le. Piratage débloqué. J'ai plus de place. Une chercheuse aux portes. Ok, donc ça c'est la nouvelle mission qu'on aura à faire la semaine prochaine. Je récupère juste les trucs que je vais avoir besoin. Ah, j'ai pris cher. Je vais mettre ça de côté. Ce qui m'embête, c'est que j'arrive pas à tout récupérer là. Et je sais pas si je peux jeter des trucs. Mais après, je crois que j'ai... Ah, je peux jeter. Je remplace par un truc, mais je sais pas par quoi. Peut-être en faisant ça. Yes. Du coup, je pense que je peux récupérer le reste. Ça, je pense pas que c'est un composant facile à avoir. Je suis trempé par la neige fondue. Lentille de galopeur. Oh non, ça, c'est, ça va, ça va être faisable à récupérer facilement. Bon bah voilà. Voilà les boys. Ça c'est quoi par contre? Ah oui, c'est ce que j'ai... C'est... Ok. C'est ce que j'ai jeté. Je crois que la prochaine fois on va faire beaucoup d'exploration. J'ai trop hâte. Mais là pour aujourd'hui on va s'arrêter là. Moi je suis qui ça? Potion. Ah comme ça on utilise des potions, ok. Okay. Autant que je comprenne un peu à quoi sert les touches à gauche. Ok, ça marche. On va la team. On va s'arrêter là. Il n'y a pas un feu de camp pour sauvegarder? Non. On va sauvegarder comme ça. Il faudrait que je continue, que... Ça c'est chiant.
Il faut que je trouve une machine pour tester ce dispositif de piratage. Ah, c'est ici qu'on peut sauvegarder, nickel. Ok. Et du coup, la prochaine fois, bah, on testera le dispositif et... Bah, sur mon exploration. Yes. Non, si j'ai rien. Nickel. Bah du coup, fin du stream, la team, j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à follow la chaîne, on est bientôt à 260 followers, on approche de plus en plus les 300. Pour les nouveaux également, n'hésitez pas à aller sur YouTube, il n'y a plus que 4 abonnés et on passe les 3000. Donc je compte sur vous, il y aura une mini récompense minimum pour 3 personnes sur la chaîne, que ce soit sur Twitch ou YouTube, des subs offerts et une récompense quelconque comme la dernière fois. Donc ouais, n'hésitez pas, vous avez les réseaux, n'hésitez pas aussi, vous avez Insta, Twitch, Insta, je sais même plus ce que j'ai dit, Instagram, TikTok, le serveur Discord. Et après, pour le reste, pour le planning de la semaine prochaine, il sera sûrement publié demain dans la journée et ça commencera sûrement mardi. Voilà. Mais du coup, on continuera le let's play d'Horizon dimanche prochain, même heure, 21h15, comme d'habitude. Voilà. Sur ça, moi, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à très vite. Ciao les boys.